Vieux Démon, le dernier club qui a été créé en janvier 2017. Bon, j'ai assisté tout à l'heure à la séance au tribunal, donc pour entendre un petit peu ce qui allait se passer. Il est vrai que je dirais que c'est mieux que pire, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Après, moi, je vais attendre de voir un petit peu ce que le club peut annoncer dans leurs prérogatives pour redresser la barre. Et puis, voilà, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais attendre que Florent Cassolari s'exprime. Voilà. Bon, c'est un redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. Il y a quand même un déficit assez abyssal. Est-ce que vous croyez que le club peut s'aligner en Ligue Magnus en septembre prochain? Bah, ça, c'est l'espoir de beaucoup quand même. Il faut reconnaître qu'il faut essayer de garder le moral. Mais ça, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de pouvoir le dire comme ça. Je pense pas. Bah, au pire, le mieux, c'est qu'on ait toujours du hockey sur Épinal. Après, on verra le niveau dans lequel on sera. Bon, avec le club de supporters, vous resterez naturellement proche du club. Vous viendrez les soutiens, les soutenir. Ah oui, tout à fait. Pas de problème. Ici, à Épinal, on vit hockey. On continuera à vivre hockey tant qu'on le pourra. Quels sont les échos dans votre groupe de supporters là, qu'est-ce qui s'est dit ces derniers temps? Eh bien sûr, vous avez des gens qui sont déçus. Il y a d'autres, beaucoup, qui attendent aussi la suite des événements, qui attendaient déjà de savoir ce qui allait se passer au tribunal, la décision du tribunal. Et puis, tout le monde est dans l'expectative de savoir ce qui va arriver plus tard. On ne sait pas. Franchement, je ne pourrais pas m'avancer déjà pour mes collègues. Tout ce que je peux savoir, c'est que tout le monde est un petit peu indécis, déçu de ce qui s'est passé. Et puis voilà quoi, on a appris des choses, on a lu des choses, et c'est pas facile de lire tout ça de son club de hockey, hein. C'est quand même pas évident. Bon, les joueurs vont être payés au moins, il y a oui, il y a le fonds de solidarité pour les joueurs, c'est déjà un bien, parce qu'il faut déjà surtout penser à eux, à leur famille quand même. Ils sont sportifs, mais c'est leur métier, et c'est désolant, quand on travaille, on aime bien être payé, on est tous pareils.